Oui, bonjour et bienvenue donc à cette présentation de qu'est-ce qu'on peut percevoir grâce à la pratique de l'écoute imaginaire. Donc, je vais vous présenter en fait ce qu'un thérapeute en écoute imaginaire peut percevoir à travers donc le champ énergétique, que ce soit son propre champ énergétique ou celui d'un partenaire. La première information que l'on va donc identifier dans notre champ énergétique ou celui d'un partenaire, c'est la dimension énergétique. C'est-à-dire que notre corps émet donc un certain rayonnement énergétique. Il y a un physicien, le physicien Popp, qui a mis en évidence que les cellules de notre corps absorbaient la lumière solaire et réémettaient cette lumière solaire, créant donc un rayonnement tout autour de du corps physique. Il a donc mis en évidence que l'aura, ce que les chamans appellent l'aura depuis bien lurette, était réel, était en fait une information qui était mesurable. Donc ce physicien-là donc développait un appareil qui permet de mesurer cette capacité lumineuse que les cellules ont d'absorber la lumière et de la réémettre. Donc en quelque sorte, on peut vraiment parler maintenant d'une reconnaissance scientifique concernant l'aura. Donc la dimension énergétique de cette aura, de ce champ d'énergie, va nous permettre de constater que tous les organes de notre corps, toutes les cellules de notre corps, vont donc avoir une capacité d'absorber une certaine lumière pour donc se nourrir de la lumière solaire et donc de réémettre de la lumière lorsqu'il y a une dépense énergétique qui est effectuée. C'est-à-dire que plus mon corps est en santé, plus je vais donc assurer que des pieds jusqu'au sommet de la tête, il y a une forme d'énergie qui va circuler librement, ce qui va indiquer justement que mon corps va donc émettre une lumière et absorber la lumière d'une façon très équilibrée, comme s'il y avait une forme de respiration biolumineuse qui s'effectuait d'une façon complètement harmonieuse. Par contre, lorsqu'on observe un champ énergétique, il est fréquent de constater qu'il y a des perturbations dans ce champ énergétique-là qui peuvent être de différentes qualités et qui vont finalement indiquer que notre corps physique, même s'il est en santé, a des zones de faiblesse qui se forment dues justement à des frictions énergétiques qui se sont en train de se créer à notre insu et qui sont des indices justement que l'énergie circule moins bien dans certaines régions que dans d'autres. Ces régions-là, évidemment, si on regarde ça d'un point de vue intuitif, on va constater que ces régions-là, quelque part, sont des zones où l'énergie circule vraiment moins bien. Et si, évidemment, on ne fait rien avec ces zones de friction, ces zones de perturbation, il va sans dire qu'il serait possible qu'une maladie puisse se développer à long terme, due à cela. Donc, c'est bien évident que la première information que le thérapeute intuitif va observer dans le champ énergétique, son champ énergétique ou celui d'un partenaire, c'est d'observer effectivement la qualité de cette circulation énergétique qui part donc des pieds jusqu'au sommet de la tête et qui va nous indiquer justement si notre partenaire ou nous-mêmes sommes dans une position favorable à la santé. Favorable à la santé, c'est donc dire que notre capacité justement de faire circuler l'énergie dans notre corps sans aucun heurte, sans aucun obstacle, d'une façon fluide et harmonieuse, va donc indiquer justement une santé pleine et entière. S'il y a évidemment plusieurs zones de friction, de zones de tension, de zones où l'énergie ne circule pas bien, même si notre partenaire se dit en santé et que s'il allait voir un médecin, le médecin lui dirait qu'il est en excellente santé, ces zones de friction-là sont quand même des indices de problématiques énergétiques qui vont entraîner à un moment donné donc des zones d'inconfort, des zones de friction qui vont entraîner donc des constats que, et des symptômes inconfortables qui se manifestent dans certaines régions de notre corps, sans encore l'heure de parler d'une maladie. Et avec le temps, bien évidemment, ces symptômes vont devenir plus importants, indiquant à ce moment-là que l'organe fonctionne de moins en moins bien et pouvant entraîner donc ce qu'on appellera évidemment la maladie. Donc, le rôle du thérapeute intuitif va être d'abord et avant tout d'amener le partenaire, justement, ou lui-même, à développer une compréhension des processus énergétiques qui sont en relation avec la perturbation en question. Alors, donc, on sait que cette perturbation énergétique-là va donc indiquer un désordre énergétique, mais va donc également indiquer un désordre psychologique qui peut être associé à ce désordre énergétique. Alors, il y a vraiment une relation psyché-corps importante à bien comprendre là, lorsqu'on observe donc la dimension énergétique. Sauf que quand même, lorsqu'on observe le champ énergétique, on va donc observer donc des flux énergétiques, des indices, des informations indiquant la qualité d'un organe, la qualité énergétique. Alors, plus l'organe est en santé, plus le rayonnement énergétique, plus la circulation énergétique à l'intérieur de celui-ci sera optimale, et plus il y aura donc des indices qui indiquera un potentiel donc de perturbation. Et plus évidemment, on va constater donc des désordres énergétiques plus ou moins importants dans l'organe.
Donc, le fait qu'on puisse arriver à développer une compréhension de cela va déjà être un indice important. Le fait qu'on puisse déprogrammer les perturbations énergétiques, c'est-à-dire qu'on puisse amener de l'information nouvelle qui répond aux besoins des organes ou du système ou du corps physique en entier, va entraîner évidemment des transformations aussi qui vont permettre de mettre en évidence le potentiel santé, le potentiel évolutif, expansif qui anime notre être ou celui de notre partenaire. Et évidemment, ensuite, il y aura donc des techniques de soins qui ont pour objectif, évidemment, de favoriser une circulation énergétique permettant, évidemment, de rétablir le plus possible la santé. Donc, en fait, le thérapeute intuitif qui observe la dimension énergétique va chercher donc à prévenir le plus possible la maladie en s'assurant que la circulation énergétique soit optimale, tant sur lui-même que chez un partenaire. La seconde perception que le thérapeute intuitif va pouvoir développer, c'est la dimension psychique. Alors, la dimension psychique va nous permettre de voir que dans notre chaîne énergétique, il y a des informations psychologiques qui se trouvent présentes dedans. Ces informations psychologiques sont présentes dans le champ énergétique comme des mémoires, c'est-à-dire comme des personnages qui animent le champ énergétique. Et ces mémoires-là, finalement, sont en relation donc avec notre enfance, avec des événements de notre enfance, des perturbations qui ont été vécues lors de notre enfance. Ce sont des perturbations qui peuvent être en relation, évidemment, avec notre relation familiale, avec nos parents. Donc, nos parents peuvent être présents dans notre chaîne énergétique. S'ils ont une importante présence, une importante influence sur nous, ils peuvent être présents également. Il peut y avoir des ancêtres provenant donc nos arrière-parents, nos arrière-grands-parents, etc., qui peuvent donc aussi avoir un impact et qui peuvent être présents dans le champ énergétique. Et il peut y avoir évidemment donc des mémoires d'autres vies, c'est-à-dire qu'on peut résonner avec des mémoires d'autres vies. Ça veut donc dire que dans ce champ énergétique-là qui anime notre être, il est possible d'avoir des mémoires appartenant à notre histoire de notre vie actuelle. Il peut donc y avoir également des résonances avec des ancêtres et des gens de la famille plus proche. Et il peut y avoir des résonances avec des mémoires d'autres vies. Donc ça veut donc dire qu'on est vraiment une antenne qui vibre avec l'histoire de l'humanité en quelque sorte. Notre histoire humaine, l'histoire de nos ancêtres et l'histoire de l'humanité en globalité. Alors, plus on apprend justement en tant que thérapeute intuitif à développer son champ de perception, plus on va constater effectivement ces influx psychiques qui existent, ces mémoires qui animent notre champ énergétique. Encore là, on va chercher donc à comprendre leur raison d'être par le décodage intuitif. Encore là, par la déprogrammation, nous allons chercher à donner à ces mémoires-là tout ce dont elles ont besoin pour les déprogrammer de leur expérience. Par exemple, si j'ai une mémoire de l'âge de 12 ans qui me le rend victime, la déprogrammation va consister à lui donner à cette mémoire de victime-là tout ce dont elle a besoin pour qu'une transformation puisse se faire. Alors, à partir du moment où cette transformation s'effectue, il va y avoir donc des modifications dans ma perception qui vont m'informer de qui est-ce que je suis véritablement. C'est-à-dire que la personne, ce que je croyais être une victime en moi, cette expérience de 12 ans qui me ramène toujours à ce sentiment d'être une victime, plus je me déprogramme cette mémoire-là, et plus je vais donc constater que derrière l'image de victime à laquelle je m'étais identifié, il y a donc un potentiel évolutif qui va me donner un indice du chemin à suivre pour favoriser un mieux-être dans ma propre vie. Donc ça va être un aspect qui va être fort intéressant dans le travail psychique, c'est-à-dire qu'on va arrêter donc de s'identifier à des expériences de notre passé ou à des douleurs ou des souffrances que l'on a eues, mais chercher justement à les dépasser en les déprogrammant, en les libérant véritablement pour accéder justement à un processus d'évolution de plus en plus important et de plus en plus intéressant à se manifester. Ça va être donc le travail qui va s'effectuer par la déprogrammation. Et il va y avoir également des techniques de soins qui vont nous permettre justement d'amener ces mémoires, effectivement, d'être de plus en plus en état de fluidité avec soi-même. C'est-à-dire que quand un champ psychique est perturbé, on va constater que les mémoires qui animent notre champ vont être en conflit entre elles souvent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une forme d'harmonie. Notre partenaire ou nous-mêmes, nous ne sommes pas dans un état de cohérence avec nous-mêmes. Nous sommes en désaccord avec nous-mêmes souvent. Et ces mémoires-là vont nous indiquer un peu ce niveau d'incohérence ou de perturbation qui sont présents dans notre champ. Et plus on cherche à rétablir ces mémoires-là quelque part perturbées, et plus on va permettre justement à ce qu'une cohérence prenne forme dans notre champ énergétique, permettant un plus grand bien-être de se former, une plus grande authenticité avec soi-même, une plus grande authenticité envers les autres va en résulter bien évidemment. Le troisième champ de perception qui va être présent, en fait, il y a peut-être un troisième champ de perception qu'on pourrait
identifié comme étant les relations interpersonnelles, c'est-à-dire que le même niveau d'information qui anime mon champ, au niveau psychologique, donc des personnages provenant d'autres vies, dans mon histoire personnelle, etc., vont se retrouver chez tous les autres êtres humains. On comprendra ici que lorsque deux êtres humains se rencontrent, donc, il y a donc des échanges qui vont s'effectuer, qui vont favoriser des relations d'attraction, c'est-à-dire des gens qu'on va avoir une naturelle sympathie pour eux, et d'autres avec une naturelle antipathie qu'on va avoir pour eux, parce qu'on va se sentir repoussé par leur façon d'être ou leur façon d'être sans qu'on le sache pourquoi exactement, parce que des résonances qui vont s'effectuer dans la mémoire entre cette personne-là et moi-même, qui va donc m'informer quelque part que je me sens pas du tout attiré par la personne. Par exemple, je pourrais sentir qu'une personne pourrait donc venir chercher en moi une agressivité que je refuse, donc cette personne me dérangerait, donc je la rejetterais en disant, ben non, cette personne-là, je la sens pas, je l'aime pas, parce que elle me met en contact avec quelque chose qui me rend inconfortable. Alors donc, évidemment, ce genre de situation-là sont des indices, évidemment, d'un travail hein, qu'on doit faire, parce que justement, la vie, elle est assez bien faite. Elle nous amène souvent à devoir faire des démarches donc de travail sur soi par les rencontres que l'on effectue. On parle souvent de la loi de l'attraction. Bien évidemment, la loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? C'est que lorsqu'on est dans un processus, justement, inconscient, avec dans notre champ énergétique, où on traîne des mémoires avec diverses informations, par exemple de victimes, mais c'est évident que la victime qui est en moi va souvent se mettre en relation avec des gens qui vont se présenter à moi comme des agresseurs pour m'obliger de faire un travail sur cette mémoire de victime-là, pour m'obliger de faire un travail pour me réharmoniser à elle et donc de favoriser un travail de réunification avec moi-même. Donc la vie est bien faite et les relations interpersonnelles sont souvent des miroirs qui nous obligent à faire un travail sur soi et qui nous confrontent donc à devoir faire la paix avec ces événements ou ces traumatismes que nous avons vécus dans notre passé. Donc ça, c'était concernant donc les relations interpersonnelles. Il y a donc ensuite un dernier volet, qui est la dimension transpersonnelle ou la dimension spirituelle que nous allons voir dans le champ énergétique. Alors évidemment, cela ne veut pas dire que je suis un être spirituel ou un être évolué, spirituellement parlant, parce que je suis capable de percevoir ce niveau de perception-là. Puisqu'évidemment, le niveau de perception du monde spirituel, je vais le percevoir selon mes propres capacités à le percevoir. C'est-à-dire que plus je suis élargi, plus ma conscience s'élargit, plus je vais être capable de voir ce champ de perception-là d'une façon de plus en plus large et de plus en plus évoluée. Moins je suis quelqu'un qui a cette capacité de me rendre réceptif à cela, moins je serai capable de me rendre réceptif au niveau que je souhaiterais de ce champ de perception-là. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait donc une relativité là-dedans, qu'on ne se prenne pas trop au sérieux. Donc, dans la pratique de l'écoute imaginaire, il est possible de développer ce champ de perception-là au niveau spirituel. Il est possible donc de constater qu'on peut se syntoniser à l'énergie du soi supérieur ou de l'âme d'un partenaire ou de soi-même et de constater que cette énergie spirituelle ou transpersonnelle qui représente un peu notre essence fondamentale est en interaction à travers des couches. Les couches, évidemment, étant les couches psychiques, le champ psychique qu'on a vu déjà, et le champ énergétique qu'on a vu également déjà, et évidemment le corps physique. Donc on va pouvoir constater qu'il y a des échanges qui s'effectuent entre notre soi supérieur, notre champ psychique et notre champ énergétique et notre corps physique, et que plus cet alignement-là se fait d'une façon harmonieuse et équilibrée, plus l'individu se trouve dans une position de développement spirituel élevé, pourrait-on dire, c'est-à-dire d'une forme d'alignement en tant qu'être humain qui est très global, qui est très riche, dans lequel il y a un certain équilibre dans sa dimension énergétique, un équilibre dans sa dimension psychique et un équilibre dans sa dimension spirituelle, lui permettant de s'ouvrir davantage à l'univers infiniment grand. Cet univers infiniment grand est doté de sagesse et d'intelligence. Et plus nous sommes ouverts à cette infiniment richesse que s'y retrouve dans le monde imaginaire, le monde de l'univers, plus on constate qu'il est possible de collaborer avec ce qu'on appelle des guides. Les guides, finalement, sont des énergies transpersonnelles qui vont se manifester à nous, dotées de sagesse et capables d'effectuer un travail de collaboration avec nous-mêmes. Cela veut dire que ces guides peuvent donc faire un travail dans mon monde psychique pour travailler sur des mémoires se trouvant dans mon champ psychique, peuvent travailler sur des organes dans mon champ énergétique pour finalement m'aider, effectivement, donc à pouvoir m'aligner et me mettre dans une position de plus grande ouverture envers ma dimension transpersonnelle et de plus en plus être dans une position d'alignement avec mon être le plus profond. Donc voilà, c'était un peu les principales informations que je vais vous transmettre concernant qu'est-ce qu'on peut percevoir dans le champ énergétique dans la pratique de l'écoute imaginaire. Donc je vous invite à poursuivre votre visite dans le site de l'écoute imaginaire.